la mer, la plage, les îles. Quand même, instructeur, c'est un peu un job de rêve, non ? Le problème, c'est que t'es pas le seul à avoir fait ce rêve, tu vois. Et ça fait que le monde de la plongée est assez compétitif. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 5 erreurs à éviter si tu veux pouvoir commencer confortablement ta carrière en tant qu'instructeur de plongée. On y va ? Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Argonaute, la chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Alors si tu ne le sais pas, sur cette chaîne, j'essaie de produire une fois par mois un documentaire de vie marine. Et ça, c'est un format de vidéo Argonaute Pro destiné en fait à des professionnels et à des plongeurs en devenir. Comme toujours, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à commenter mon travail si tu as une autre opinion que moi. Et vu le titre de la vidéo plutôt putaclic, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des choses à dire dans les commentaires. Alors, je ne répéterai jamais assez. Le monde de la plongée est une industrie très très compétitive. Il y a énormément de postes, il y a énormément d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup beaucoup de turnover. Les équipes changent beaucoup et c'est un milieu très difficile, surtout la première année. Aujourd'hui, je voudrais essayer de développer un peu sur les différents types d'erreurs que tu vas commettre quand tu es débutant et qui peuvent parfois te dégoûter. Alors, si tu es un plongeur avec beaucoup d'expérience, je pense que tu n'apprendras rien ici. Par contre, comme toujours, tu peux m'apprendre des choses et tu peux nous apprendre des choses, donc n'hésite pas à partager ton avis et tes expériences, ça intéressera tout le monde. Quand tu vas débuter dans ce milieu, le plus difficile, ça va être de gagner de l'expérience et en fait d'être reconnu en tant que professionnel. Tel un petit saumon remontant la rivière, en fait, plein d'instructeurs se lancent à la remontée et y a un grizzly. Il y a un grizzly qui t'attend, tu vois, et qui te met des taluches de grizzly de réalité. La plupart du temps, les instructeurs, en fait, ne durent pas un an. Alors, si tu veux survivre, ne commets pas ces 5 erreurs. Première grosse erreur, en fait, c'est la plus courante, c'est les finances. Le flou, de l'argent, la thune, les pépettes. La première année, elle va être raide. Déjà parce qu'en fait, tu as dépensé beaucoup d'argent pour devenir instructeur de plongée. Ensuite, tu as dû dépenser beaucoup d'argent en matériel. Et puis en bonus, tu as peut-être même dépensé de l'argent pour un billet d'avion. Donc en fait, essaye vraiment de prévoir sur ta première année d'avoir des réserves et les reins solides niveau finance. Personnellement, ça a été mon erreur et j'ai même dû rentrer en 2016 la queue entre les jambes chez papa-maman parce que je m'étais planté. Donc vraiment, prévois d'être autonome au moins sur 6 mois. Après, tu peux aussi te faciliter la vie en te renseignant bien sur les centres de plongée et sur leur organisation. Est-ce que ça va être un centre qui tourne à la commission, un centre qui tourne au forfait, un centre qui tourne en salaire fixe ou en salaire par heure? Tout ça, en fait, tu veux le savoir à l'avance pour essayer de te projeter. Chacune de ces options va avoir des avantages et des inconvénients. Par exemple, si tu vas sur un centre de plongée qui te paye par bouteille mais qui ne font que 2 sorties par jour, pour des petits groupes de plongeurs, très vite, tu vas te retrouver vraiment ric-rac. Inversement, si tu es un jeune débutant qui va faire un centre de plongée avec beaucoup de volume, c'est bien, tu vas faire de l'argent, mais tu peux aussi être très très stressé, voire même te dégoûter de la plongée. Donc, il y a vraiment un équilibre et une étude à faire avant de se lancer tête baissée. Moi, ce que je te conseille, ça va être d'essayer de favoriser la stabilité sur des salaires fixes ou sur des salaires avec un minimum fixe comme en Indonésie où en fait tu vas avoir entre 200 et 500 dollars en fixe plus de la commission. Certes, tu gagneras moins d'argent, mais ça te permettra d'avoir une première année un peu moins stressante et sans avoir la pression derrière à devoir faire à tout prix du volume. La deuxième grosse erreur, ça va être de mal évaluer ton niveau. Adapte ta recherche à tes compétences et à ton expérience. C'est très important. Concrètement, moi, tu vois, quand j'ai débuté la plongée, j'avais fait toutes mes plongées en Indonésie dans des zones à courant. Donc, dans le courant, j'étais plutôt à l'aise. Et puis, pour m'entraîner, pour devenir dive master, je me suis entraîné dans des zones à fort courant, dans un centre de plongée avec beaucoup de courant. Et naturellement, j'ai développé vraiment pas mal d'expérience malgré un nombre de plongées limité. Je me suis fait quand même quelques frayeurs, mais ça allait parce que j'avais de l'expérience. Inversement, après mon année en Indonésie, je suis allé travailler au Portugal. Et au Portugal, alors il n'y avait pas de courant, ça c'est bien, mais il y avait surtout de l'Atlantique, de l'eau froide et pas de visibilité. Là, ça l'a ramené moi, ça grand. Heureusement, grâce à mon expérience en Indonésie, j'ai pu rapidement m'adapter et puis rapidement travailler normalement dans ces conditions. Même si j'étais pas très en confort au début, ça va, je me suis adapté parce que j'avais quand même un peu de bouteille. Dans ce centre de plongée-là, j'avais une collègue
qui avait été certifiée en fait dans la même zone que moi à Bali, mais qui elle n'avait jamais travaillé comme instructeur de plongée. Et elle s'est retrouvée paf en eau froide, atlantique, et malgré le fait que le centre de plongée a voulu la former, l'écart en fait entre son expérience et les conditions locales était tellement déséquilibré qu'elle a jamais réussi à se sentir suffisamment en confiance pour exercer. Et je crois même en fait que ça l'a tellement dégoûtée qu'elle a jamais replongé depuis. Donc vraiment, sois réaliste au niveau de tes compétences, au niveau de tes projections. En gros, on commence pas par Komodo. Pour ceux qui ne connaissent pas Komodo, on en parlera un jour. La troisième grosse erreur. Oui. Négliger son cercle professionnel, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent chez les jeunes instructeurs. Ça c'est une Integra. On a une Integra ici, je suis sur une île aux Caraïbes, il y a une Integra. Ça c'est la Harley. Il y a une Integra et une Harley Davidson. La troisième erreur que je constate le plus souvent sont les instructeurs qui négligent en fait leur cercle professionnel. Beaucoup de jeunes instructeurs n'ont pas l'habitude de créer ou d'entretenir un cercle pro. Ils ont plutôt l'habitude en fait de déposer un CV et puis d'avoir une réponse oui/non. Alors, ça peut marcher en ville, mais ce qui se passe dans le monde de la plongée, c'est que ta réputation, ton expertise et ton network, ça fait facilement 50% du travail quand tu es à la recherche d'un poste. Donc ton cercle, tu dois le créer et tu dois l'entretenir. Mais le bon côté, c'est que tu peux te créer un cercle super efficace avant même de devenir instructeur et avant même d'être professionnel. Et ouais, lors de ton entraînement, essaie de favoriser les zones où tu vas avoir beaucoup de centres de plongée, parce que naturellement, il va y avoir une émulation de personnes passionnées, et donc tu vas facilement te faire des contacts. Et puis, essaye aussi de privilégier les centres de plongée, en fait, qui t'offrent des longs entraînements. Par exemple, certains centres proposent entre 1 et 2 mois d'entraînement pour devenir guide. Forcément, si tu restes 2 mois sur place à t'entraîner, plus de compétences, plus de contacts, plus d'expérience, plus de pouf. Pareil, essaye d'être le plus actif et le plus disponible pour aider d'autres instructeurs ou pour aider des courses directeurs. Et si je prends par exemple Jonathan, mon voisin, lui en Thaïlande, il aidait tout le temps, il a passé son temps en piscine, il assistait, pendant que les autres se buvaient des bières au bar. Et donc les courses directeurs ou les autres centres de plongée étaient plus relax quand à lui laisser les rênes. Donc ouais, sois le plus actif possible et faut que tu y ailles, faut que tu sois là. Après, il y a aussi d'autres trucs qui te permettent de créer un cercle assez rapidement, ça va être d'être actif au niveau local. Ça prend plein de formes, tu peux participer à des nettoyages de plage, tu peux participer à des programmes de restauration de corail, il y en a beaucoup. Tu peux aussi aller à des conférences, aider pour l'organisation de la conférence, mais encore une fois, juste y aller, c'est là où tu vas rencontrer les gens les plus passionnés. Et puis sur les petites îles, ça arrive très souvent qu'il y ait en fait des sortes de cinéma improvisé avec des projections de documentaires. Et ben vas-y, et puis tu vas rencontrer des gens. Un nouveau contact. Et puis je voudrais parler d'un autre truc. Le bar n'est pas un endroit où tu fais des contacts professionnels. Faut arrêter avec cette vision de l'instructeur de plongée qui se murge et qui trouve du boulot dans les bars. Jonathan, il va pas dans les bars. Moi, je vais pas dans les bars. Mes collègues les plus pros qui ont les cercles les plus efficaces et les plus actifs, ils vont pas dans les bars. Et puis moi, si je vais me murger la gueule, crois-moi que c'est pas vraiment le moment où tu as envie d'échanger avec moi à propos d'une recommandation pour un centre de plongée. Une quatrième erreur qui semble un peu contre-intuitive, ça va être le fait de vouloir se surformer. Quand tu vas être instructeur, beaucoup de centres de plongée vont t'offrir en fait plein de spécialités, une sorte de package de spécialités pour déjà pour faire plus d'argent, mais toi pour te permettre de trouver plus de travail plus facilement. Parce que plus t'es polyvalent, plus tu vas trouver du travail. Ouais. Ou pas. Malheureusement, ça peut presque te desservir. Ce qui se passe parfois, c'est qu'on va tomber sur des gens qui se présentent comme des super instructeurs, master, instructeur plus, mais zéro certification, 150 plongées et zéro expérience. Ça, ça met pas forcément en confiance en fait. Mieux vaut faire étape par étape. C'est-à-dire, tu vas commencer comme instructeur et tu vas faire des DSD, des refreshers, des open water et acquérir de l'expérience et ensuite monter graduellement en niveau. C'est tout con. Moi j'ai bossé pendant 2 ans comme juste instructeur hein, et j'étais juste instructeur. De temps en temps je faisais des avantes spéciales mais je n'ai juste des open water et des refreshers. Et ça marche, tu trouves du travail.
Après, si tu as peur d'avoir un CV trop vide, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo où je parle justement de différentes compétences que tu peux développer et mettre en avant si tu veux essayer de trouver quasiment à coup sûr du travail dans l'industrie. La chance, la vidéo, elle apparaît là. Bah tu vois, ça c'est le... Là, je pense à toi. La cinquième et dernière erreur que je vois en fait très régulièrement et qui a l'air con comme ça, mais en fait c'est très commun, c'est d'attendre trop longtemps avant de commencer. Beaucoup de gens, ils vont faire leur certification, ils vont passer instructeur et puis ils se prennent 2, 3, 4 mois de vacances après avoir été certifié instructeur. Alors c'est bien, comme ça tu profites de Bali, t'es en vacances, c'est cool. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, tu perds ton cercle professionnel et puis aussi toute la confiance en toi que tu t'étais créé pendant ton cours, et ben ça s'émousse, lentement ça descend parce que tu t'en sers pas. Moi, je te conseille vraiment, si tu veux passer instructeur, très bien, passe instructeur et prévois-toi au moins 6 mois professionnels juste après. Vraiment, sans exagérer, j'ai une liste longue comme le bras de copains ou de connaissances qui ont passé leur niveau et en fait qui ont attendu trop longtemps parce que c'était la fin des vacances, parce que pour une raison X ou Y avant de commencer et qui n'ont finalement toujours pas commencé. Voilà, c'était les 5 erreurs à éviter si tu veux commencer convenablement dans le monde de la plongée. Je vais même te rajouter en bonus un petit conseil pas piqué des hannetons. Avant même en fait de penser à devenir instructeur, essaye de te faire une image réaliste du métier d'instructeur de plongée. Essaie de passer du temps dans les centres de plongée et essaie de passer de te faire des potes qui font ce métier-là et de voir un peu l'envers du décor. Parce que entre la réalité et la carte postale, c'est pas pareil. Il y a un monde. C'est pas grave, mais il y a un monde. Et je le répète, la première année est dure. Voilà, c'est fini. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si le contenu t'a plu et que tu veux me soutenir, je t'invite en fait tout simplement à t'abonner à la chaîne et à partager mon travail. Plus il y aura de visibilité et plus en fait je pourrai te partager et te proposer du contenu. J'aimerais vraiment t'éviter les galères que j'ai pu avoir il y a de ça 5 ans quand j'ai commencé dans ce milieu-là. Et si toi tu veux partager en fait avec la petite communauté des erreurs que tu as pu voir ou que tu as pu commettre, c'est très important, surtout fais-le. Comme ça, ça évitera à d'autres plongeurs de les répéter. Maintenant, moi, je vais te retrouver le mois prochain pour une prochaine vidéo Argonaut Pro et puis peut-être à la fin du mois pour la vidéo documentaire du mois. Je dois être déjà en train de travailler très dur sur cette vidéo et je suis sûr que je suis en retard. Donc, je vais te laisser là-dessus. On se retrouve bientôt et puis, comme toujours, à bientôt dans le bleu. Ciao! Salut! Santé! Coconut and the sexy French dive instructor. Where? Here. I don't see any French diver instructor. Here, it's only English instructor. No French accent at all. Is it? Never. Never. Never.